5 décembre, au moment où l'heure était à la fête, les douanes ivoiriennes étaient en pleine opération à Mossou, non loin de Grand Bassam. L'unité mobile d'intervention rapide a saisi plus de 4 tonnes de cannabis. On fait le point avec Cheikh Kone. C'est l'une des plus grosses saisies de drogue au titre de l'année 2019, réalisée par l'unité d'intervention de la Direction générale des douanes. 3507 plaquettes, soit 4 tonnes 245 kg de cannabis, soigneusement conditionnés et emballés dans 42 ballots de friperie pour tromper la vigilance des soldats de l'économie. Mais sous l'œil avisé des éléments de la brigade de surveillance et des opérations de Lumière, le stratagème des trafiquants va voler en éclats. Dans la nuit du 25 décembre, vous savez que c'était le jour de fête et c'est des jours que les gens choisissent souvent pour faire leur sale besogne. Et c'est dans ce sens que nous sommes allés, nous avons pris 3 camions. Dans nos différentes fouilles, on a trouvé près de 10 à 12 tonnes de marchandises diverses, parlant de bonneterie, parlant de jeux d'enfants, parlant de homo, un peu de cube magie et des semblants de ballots de friperie. À cet important lot de cannabis, il faut ajouter 400 boîtes, soit 105 kg de produits pharmaceutiques non enregistrés. Le tout d'une valeur marchande de plus de 170 millions de francs CFA. Venu saluer ce coup de filet du lieutenant de la brigade de surveillance et ses hommes, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, les a invités à redoubler d'efforts. C'est de satisfaction et c'est ce que nous n'avons pas manqué d'indiquer aux hommes, de leur faire part de nos encouragements. C'est une saisie qui intervient dans un contexte où il y a matière à ce que toutes les forces en charge des questions de sécurité qui sont chargées un peu de rassurer l'ensemble de nos populations, que dans un contexte où elles doivent veiller davantage au grain. Et je crois que c'est ce que nos hommes viennent de nous prouver. Et je crois que 4 tonnes, vous l'avez indiqué, c'est quand même un tonnage assez important. Et c'est la preuve que les services veillent au grain et qu'ils sont tout à fait dévoués à faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir une vie paisible et qu'ils puissent vaquer normalement à leurs occupations. Depuis le début de l'année 2019, plusieurs saisies de drogue ont été effectuées dans la zone du Sud Comoé. En raison du scanner au contrôle douanier, les trafiquants ne manquent pas d'imagination pour contourner les dispositifs mis en place. Le ministre du Budget a annoncé des actions fortes et concertées dans les prochaines semaines en vue de démanteler ce vaste réseau.